Certains super-héros ne portent pas de cape ni de masque, sauf en période de pandémie, mais se distinguent plutôt par leurs chaussures. Vincent Vergne fait partie d'une ligue bien particulière, celle des fromagers extraordinaires. Un groupe d'amis au palmarès impressionnant. On a Nicole Barthélémy, fromagère à Paris, qui fournit l'Elysée. Laetitia Gaborit, meilleure ouvrière de France 2017. En haut, c'est Christelle Leroux, c'est ma binôme. On a eu le titre en 2019 ensemble. Venus de Belgique et de France, les 16 membres se sont rencontrés lors de compétitions. Puis un jour, ils décident de se regrouper et de créer une chanson sur le fromage, bien entendu. Appelle la Ligue des fromagers extraordinaires pour réaliser tous tes fantasmes, des poils de camembert. Alors, c'est pour faire le buzz, mais surtout, c'est pour faire parler du fromage, toujours et encore, faire la promotion du fromage, faire avancer les mentalités sur le fromage, qui n'est pas qu'un fromage au moment du dessert, mais aussi qui peut être un moment de plaisir, au moment du goûter, au moment à tous les moments de la journée, en fait. Et surtout, toujours pareil, le partage, la convivialité et l'amour que ça peut donner. Alors, forcément, on a testé sur les passants pour voir si l'amour était bien partagé avec ce clip. Ça donne une image un peu positive et joyeuse de la consommation et de le plaisir de manger du fromage. Donc c'est une bonne initiative. On se demande quand même pourquoi, pour qui. Mais on a envie d'aller jusqu'au bout pour savoir de quoi ça parle. Ça donne envie de manger du fromage. Exactement. Ça tombe bien, le club des fromagers a justement 3 fromages dédiés. La tome de la Ligue, le fermier au Chablis et, en bonne représentante gardoise, la fleur des Cévennes.